Welcome back à tous, vous êtes sur Rapsody, on tombe maintenant dans la partie de Chronique. Cette semaine, dans la partie de Chronique, j'ai invité nul autre que Yvon Crevé pour venir parler avec nous au téléphone. Donc on va parler un peu de son nouvel album, Le Vet, qui va être vendredi en spectacle à Québec avec nous autres. Donc ça va être un gros show à ne pas manquer. Donc on va prendre la ligne avec Yvon. What up mon pote, ça va? Yes, ça va toi? Yes, tu nous entends bien? Yes, je t'entends. Yes, puis comment ça va, mon pote? Moi, ça va, je suis là, je suis bon. Ouais, ben les gros projets, ça sort, tu nous as sorti un gros projet dernièrement avec ton EP Grand Cru, fait que ça fait du bien d'avoir un bon retour de toi, pareil. Yes, c'est comme, c'est un début en attendant l'album. Ouais. C'est comme, j'ai donné un petit quelque chose aux fans, vu que ça faisait un bon bout, j'avais rien sorti. Fait que j'ai donné ça, puis je continue à travailler sur l'album. Je vais pas donner de date, mais ça s'en vient. Ah, ben c'est le fun, hein. Comme on dit, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Fait que c'est cool de savoir que la machine elle roule encore. Hein. Ça fait plus de 25 ans que tu es dans le game pareil, puis que tu écris, puis que tu produis aussi à travers tout ça. Fait que ça en fait beaucoup pour un chapeau quand même. Yeah, c'est un long parcours. Ouais, quand même. Parcours, mais le parcours, il n'est pas encore fini. Le parcours, il était long, mais il n'est pas encore fini. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a d'autres projets. J'ai mon album sur quoi que je travaille, puis j'ai d'autres projets aussi à côté de ça que je vais en parler bientôt, là, qui s'en viennent aussi. Fait que j'ai une couple de projets qui s'en viennent. Ouais, mais c'est tant mieux, au moins ça roule justement. J'ai vu tantôt aussi que tu allais faire apparition sur l'album de Tactica Rapkeb Monument. Aussi, une grosse collaboration qu'on a bien hâte d'entendre aussi quand même. Yeah, ça sort bientôt. Ça sort bientôt avec les gars de Tactica, yes. Tactica, ça fait un bon bout là, que je suis en connexion avec eux autres depuis way back. Fait que là. Ouais, c'est clair. Il travaillait sur cet album-là avec une couple d'autres vétérans qui sont là-dessus. Je pense que c'est tous des vétérans qui sont dessus. Ouais, quand même, je te dirais. J'ai bien approuvé de mon côté aussi tous les noms qu'il y avait là-dessus. Là. Tant qu'à moi, ça passe dans ma tasse. Fait que non, ça va être un bon album. Puis j'étais bien content de voir là, qu'ils t'ont invité aussi là-dessus. Parce que quand on parle de Rapkeb Monument, ben, bien sûr, t'es dans le top de la liste. Autant lyricalement que dans les chiffres. Fait que ça fait du bien que tu sois encore actif puis tout. Dans les dernières années, on avait un peu moins de nouvelles de toi puis tout. Fait que c'est le fun d'avoir eu un peu tes opinions justement musicalement sur les dernières années. Quelques nouveaux vidéoclips aussi à travers ça. Puis tout. Fait que c'est le fun de voir que l'affaire est chaud. Là. Yeah. Le monde peut aller checker ça. Le nom du EP, c'est un EP d'une couple de tracks là-dessus. Ça s'appelle Grand Cru. Le monde, ils peuvent aller checker ça. C'est sur toutes les plateformes. Ouais, toutes les plateformes. Comme que je dis, c'est un avant-goût à qu'est-ce qui s'en vient. Ah, ben si c'est juste un avant-goût, ça risque d'être très pesant parce que pour un EP de cette track, je trouve que tu as bien choisi tes morceaux. Puis c'est tous des morceaux qui ont leur place sur le projet. Le projet sonne pas pareil de la première à la septième non plus. Fait que c'était... Je pense que pour un peu, là, c'est une bonne préparation à ce qui va s'en venir, d'après moi. J'ai bien hâte d'entendre la suite aussi. On va faire un peu le tour vite fait de ta carrière pour ceux qui pourraient peut-être, les auditeurs, qui pourraient peut-être te connaître un peu moins. Donc, toi, on sait que tu es là depuis way back, mais depuis quelle année à peu près exactement que tu as vraiment commencé à faire du hip-hop, là, que ce soit pour écrire dans ta chambre ou whatever, en quelle année environ que tu t'es mis à t'intéresser vraiment au hip-hop? En quelle année? Spécifiquement l'année... Je pourrais pas dire l'année spécifique, mais c'était comme dans les années de genre de NWA. OK. Fait que les années... Quand NWA est sorti, mais moi, c'était à peu près dans ce temps-là que j'ai commencé à écrire. J'étais en centre d'accueil dans ce temps-là. OK. Puis j'ai commencé à écrire quand j'étais en centre, ouais. Ah, j'imagine que c'était une bonne façon pour toi un peu de décompresser à travers ça, parce que
Moi aussi, dans ma jeunesse, j'ai vécu un peu à travers le centre d'accueil puis le centre jeunesse. Puis c'est pas évident pour toutes les jeunes, des fois. Des fois, c'est des bonnes façons, justement, d'éponger ça un peu, d'en éponger un peu, en tout cas, au moins. Ouais, c'est ça, de pouvoir exprimer certaines choses, puis que ça sorte. C'est quoi, comme d'écrire, puis que ça sorte. Fait que j'avais des affaires à dire à cet âge-là, puis le hip-hop, c'était déjà dans ma vie, mais c'était dans ma vie d'une façon, je dansais avant. C'est comme le breakdance, puis tout ça. Fait que c'est comme si ça faisait déjà partie de ma vie, mais j'étais pas encore rapper à commencer à écrire. Ouais, je comprends. C'est plus tard que j'ai commencé à écrire, mais le hip-hop, ça a été dans ma vie depuis le breakdance. C'est depuis que le breakdance est sorti, c'est là que ça a commencé. Ouais. Donc, comme moi, c'est la première vague de break, c'est-à-dire à l'invention. Fait que ça pourrait être, admettons, je te dirais, c'est en, peut-être en 87, 88, à peu près. L'époque où LL Cool J faisait des vidéoclips avec des gros breakdancers, justement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé là. Moi, j'ai commencé vraiment la première vague, là. C'est comme « To the hip, to the hop, to the hibbidi-hibbidi ». C'est ça, moi, la première chanson que j'ai entendue de hip-hop. C'est à partir de là que j'ai embarqué, puis c'était le début. Là. Comme c'est vraiment le début que comme ma mère me fait entendre ce disque-là qu'elle avait en 45 tours. Elle dit « Je suis sûr que tu vas aimer ça ». Elle m'a fait entendre ça. Puis j'aimais ça, là. Ça passait de Michael Jackson à ça, au break, après ça au rap. Ouais, c'est ça. Mais c'est un beat entraînant aussi, ces morceaux-là. Surtout l'époque un peu plus. Cette époque-là, c'était un peu la fin funky, un peu. Puis. Puis tout. Fait que ça, le hip-hop, puis le funk, puis le jazz, puis se mélangeait beaucoup au début. Ça s'est estompé un peu avec l'évolution du style, là. Mais, Ouais, même quasiment un peu de tu sais, le disco, quasiment. Tu sais, genre, ouais. les beats comme Tour de France, nanana. Bon, mais ça, ces beats-là, là, ben, c'est comme nous autres, on faisait du break là-dessus. Là. T'sais, même si c'était pas classé la musique de break, mais nous autres, on breakait là-dessus. Fait que c'est comme ça vient de. Ça vient de loin. Là. Ça vient de loin. Ouais. Le rap, c'est venu beaucoup. C'est venu plus tard. La danse était là, puis après ça, le rap est arrivé plus tard. Au moins, d'après moi, de la façon dont t'en parles, est arrivé un moment où tu n'avais besoin, puis ça t'est comme tombé un peu par hasard, comme ça, bon hasard, justement, fait que... Yeah, mais comme beaucoup de monde, comme beaucoup de monde qui ont été en centre d'accueil ou ces choses-là, mais il y a beaucoup de monde qui ont commencé à écrire puis à rapper dans ces moments-là, quoi. Ouais, des moments de que tu as besoin de t'exprimer, c'est ça, tu es un adolescent, tu veux dire qu'est-ce que tu penses, tu veux dire tes affaires, puis la musique, le hip-hop, c'est la meilleure façon de le faire. Ben oui, effectivement, puis c'est une musique qui a moins de filtres qu'un peu ailleurs, c'est sûr que les hauts rangs dans l'industrie, eux autres, ils ont des standards respectables. Ben même aujourd'hui, je me demande, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut entendre, je me demande s'il reste des standards pour les producteurs hip-hop. Mais, tu sais, c'est l'hip-hop comparé aux autres musiques, c'est vraiment une musique où que tu peux pas avoir de filtre puis vraiment dire ce que tu penses cru, franchement. Puis c'est ce qui fait qu'on en est des fans puis qu'on en est des écrivains aussi, c'est que c'est une bonne façon de s'exprimer. Puis surtout quand t'es jeune, comme tu disais, comme ça, tu sais... C'est souvent là que tu vas pogner la piqûre, si ça l'a de venir. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais la musique, là, mais jamais j'aurais pensé un jour devenir musicien. Même quand j'ai commencé à 12 ans, j'ai commencé à gratter pour le fun, exemple. Puis jamais je pensais que je m'intéresserais à la musique dans la vie nécessairement avant ça. Là, c'est arrivé, je l'ai fait, puis ça,
ça a marché, là, tu sais, c'est... Yeah. Mais non, je pense que ça a forgé un bon MC, parce que avec tous les albums que tu nous as sortis, puis même l'accent de grave, on pourra en parler des heures et des heures de cet album légendaire, pareil. Ça a fait bouger des époques, ça fait même bouger encore aujourd'hui, l'accent de grave. Est-ce que tu as encore des albums qui sortent encore 20 ans plus tard, même de cet album-là, régulièrement quand même? Ouais, mais je vends, j'ai des vinyles, j'ai des CD 20e anniversaire. Cet album-là, il vend encore aujourd'hui. Ah, c'est cool, mais c'est rare, là, surtout au Québec, là, que des albums tournent encore comme ça, là, tu sais. C'est très ouais, cool. C'est un album qui a marqué une époque. Ceux qui étaient là à cette époque-là, comme il y a certains albums qui ont marqué ces époques-là, puis qui vont juste rester marqués dans l'histoire. Là. Ça, c'en est un. Là. Tu sais, c'était le début de quelque chose. C'était le début d'un rap avec un accent qui était plus québécois. Ouais. C'est le début. Là. Tu vois, comme ces albums-là, c'est les premiers albums qui sont sortis comme ça. Puis c'est pour ça que ça a marqué autant. C'était le début, c'est quelque chose qui a formé le genre de... Comment je pourrais dire? Ça a comme formé le monde à se dire, OK, mais on peut rapper avec un accent d'ici, puis que ça sonne que c'est bon, puis qu'on aime ça, puis ça représente ce qu'on est, ça. Ouais, puis c'était nouveau en même temps, tu sais, c'était original parce que c'était nouveau. Puis ça aurait pu aussi être fait n'importe comment par n'importe qui. Au moins, c'est le fun qu'il y en ait plusieurs, justement, qui ont pris le micro puis qui ont fait comme ils pensaient, un peu comme t'as fait, puis un peu comme les gars de ton époque ont fait, de juste se jeter un pied là-dedans puis de faire, gars, on va faire notre truc à notre façon, nous autres, on est comme ça, puis... Puis, tu sais, je pense que ça a donné des bons résultats. Même, à cette époque-là, quand le rap cab est né, ça n'a pas été long que c'était une mode puis que tout le monde suivait la tendance. Là, ça en a fait une tendance là, quand le rap cab a évolué. Là, moi, je me rappelle, fin des années 90, début 2000, là, ça commençait, là, tu sais, c'était un peu la fin, là. C'était un peu la fin de l'époque, là, de « Ah, t'es-tu un punk ou t'es un rappeur, là? » Puis si t'es un punk, si ouais, t'écoutes du rap, là, tu tiens pas avec les skateurs, puis... Ouais, puis aussi, dis-toi qu'à cette époque-là, ceux qui étaient là, c'est qu'à cette époque-là, de rapper avec un accent québécois, mais c'était pas bien vu. Ouais. C'est comme si à cette époque-là, le monde qui rappait, qui commençait à rapper en français, mais il rappait plus comme des Français de France. Ouais, c'est ça. Mais il parlait joual. Mais il rappait en Français de France. Ouais, moi, puis une couple de d'autres personnes, OK, c'est juste qu'on s'est dit, moi, en tout cas, je vais pas mettre d'autres personnes dans le paquet. Moi, je me suis dit, genre, je vais rapper comme que je parle. Puis je vais essayer de faire que ça sonne aussi bien que les Français ou que ceux-là qui rappent en anglais. Puis c'est pour ça que j'ai appelé l'album L'accent grave. C'était ça que je me disais, c'était ça ma différence. C'est que mon accent est différent. Mais moi, j'ai pris le risque de le faire comme ça. Parce que comme ouais. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, ben c'est revenu à je veux dire c'est plus ça c'est revenu à ça aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une passe que quand l'accent grave est sorti, quand que 514-50 est sorti, quand que 8-3, tous ces albums là sont sortis, la tendance de rapper avec un accent d'ici c'était beaucoup plus accepté, beaucoup plus populaire de tout le monde. C'est ça que le monde, c'est comme à un moment donné on dit ok, c'est ça qu'on veut parce qu'on voit le résultat. Ça donne quelque chose de bon. Fait que là, c'est ça qu'on veut. Ouais. Là, ça a duré un certain temps. Puis après ça, ça l'a rechangé que jusqu'à aujourd'hui.
Là, le monde sont plus portés à rapper avec un français qui est plus international pour pouvoir percer en France. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est revenu à ce que c'était avant l'accent grave. Ouais, c'est vrai. Juste avant l'accent grave, le monde, il rappait comme... Il voulait plus rapper comme I Am, puis Funky Family, puis toutes ces choses-là, là, comme les Français, NTM, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'au début, il y a plusieurs MC qui rappaient à la française. Ouais, c'est ça. Puis quand je suis arrivé, puis j'ai rappé comme ça, SP, tout le monde a commencé à se dire, OK, ça sonne correct, on peut le faire. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, en même temps, t'étais un gars underground, fait que tu disais pas nécessairement que t'allais écrire ou t'allais faire le prochain truc qui allait passer à radio, le prochain truc tendance. Non. Tu faisais ce que t'avais à faire, puisque tu pensais que t'avais... Tu le faisais comme tu le sentais, puis dans ce temps-là, ça, c'était la pensée de la plupart des rappers. La plupart des rappers, dans ce temps-là, comment on pensait, c'était quasiment genre, ah, on veut pas passer à la radio. On veut pas faire de musique pour jouer à la radio. C'était comme si que genre, c'était comme un... Mal vu. Ben ouais, c'était comme genre, on est contre le système. C'est quoi, comme c'était comme... c'était une autre mentalité, c'était pas pareil comme aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, la mentalité est plus ouverte à vouloir, tu vois, comme aller plus haut, puis aller plus haut dans l'industrie, tout ça. Nous autres, on avait plus une mentalité de genre, oh, non, fuck l'industrie, tu vois, comme on était plus de ce genre-là. Les temps, ils ont changé. Ah non, c'est ça, puis tu sais, c'est comprenable aussi, là, tu sais. Ben oui, c'est normal, c'est parce que quand nous autres, dans le temps qu'on faisait ça, c'était marginal. Bon. Ouais, puis les subventions étaient sûrement dures à avoir, j'imagine, à cette époque-là, surtout avec des paroles crues de même. Comment veux-tu les présenter ça, un veston-cravate qui... C'est ça, mais c'était marginal, on était beaucoup moins de monde qui faisait du hip-hop, qui en écoutait aussi. Ouais. Aujourd'hui, le hip-hop s'est rendu la nouvelle musique pop. Ouais, c'est vrai. En tout cas, comme c'est tout le monde en écoute, tu sais pas. Ah ouais, t'écoutes un film d'animation, puis il va y avoir un petit beat en fond, puis c'est du gros trap, genre, puis tu vois une pub de Sunlight passer à la télé, puis c'est un gros beat trap aussi, puis c'est vrai que ça a pris beaucoup de la popularité. Ouais, totalement. Fait que c'est comme tout, tu sais, ça a tout changé, là. Tout a changé, même vis-à-vis au hip-hop. Moi, dans le temps, quand que... nous autres, le hip-hop, c'était vu comme je te dis, c'était vraiment négatif, puis c'était des stéréotypes de fou, puis ça a juste tout a changé. C'est comme maintenant, le monde, il voit plus le hip-hop comme, OK, le stéréotype rapper qui avait dans la tête dans ce temps-là. Là, c'était une image, le gars, il dit bitch, puis gun, puis motherfucker, puis mais aujourd'hui, c'est plus comme ça que le monde pense. Ils voient qu'il y a toutes sortes de rap différents, puis c'est pas juste des affaires de gang, c'est pas juste des affaires de autotune, c'est pas juste des affaires de rap underground, c'est pas juste des affaires de... Tu vois, comme c'est toutes sortes de sujets puis de styles différents qu'il y a dans le hip-hop, que maintenant, le monde y accepte totalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le hip-hop est rendu beaucoup plus large. Tu sais, si tu t'intéresses au style hip-hop, le moindre peu, c'est sûr qu'il y a une branche à quelque part pour toi, que ce soit du rap plus chill, plus doux, que ce soit du rap plus mélancolique, gros rap conscient, que ce soit du rap brou-brou, puis danse sur un pied. C'est ça. Puis, ouais, c'est exactement. Il y a plusieurs branches, mais il faut vraiment que tu prennes le temps. Faut que le monde arrête de généraliser puis tout mettre dans le même bateau aussi. Tu sais. C'est ça. Mais moi, je trouve que c'est de moins en moins. Le monde, ils généralisent de moins en moins. Puis ça, c'est à cause qu'exemple, mettons, ils vont voir quelqu'un à télé comme Corias. Ouais. Tu vois, hein? Fait que là, ils voient que, OK, il y a quelqu'un comme Corias qui rappe comme ça. Tu sais, il y a Loud, il y a Soulja. Tu sais, c'est petit peu par petit peu qu'ils voient que, OK, c'est pas toute la même chose. Ben là, ça va laisser rentrer les autres aussi, que nous autres, on sait qu'il y en a plein d'autres aussi qui existent. Ouais, c'est ça. Tu vois, comme, mais c'est
c'est tranquillement que ça va juste laisser les autres passer, puis le monde va de plus en plus accepter que, OK, il y a du hip-hop comme ça, mais il y a du hip-hop comme ça, puis il y en a comme ça, puis il y en a comme ça. Donc, comme que ce soit de Kendrick Lamar à Gucci Mane, c'est ça, tu vois, comme c'est large, c'est vraiment large. Fait que c'est ça que je trouve qui est bon d'aujourd'hui, c'est vraiment large, ça touche à toutes les sphères dans la société. Aujourd'hui, le hip-hop, on domine le monde. Ouais, c'est vrai. Puis dans tous les pays, là, tu sais, c'est pas juste dans notre coin, nous autres, c'est vraiment dans tous les pays. Là. C'est ça, la planète au complet. La planète au complet, tu vas n'importe où, les pays font du hip-hop. Ah ouais, c'est ça, tu vois des stories de Barack Obama en train d'écouter du gros hip-hop, en train de s'entraîner, puis... Des trucs comme ça, même les politiciens ils supportent à mort puis tout, fait que... C'est ça, ben oui, c'est, on s'est rendu, on a avancé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, tant que Kanye ne se rend pas à la présidence, moi je suis bien content. Ah, ça c'est un autre dossier. J'aimerais ça que tu nous contes une petite anecdote par rapport à... ou que tu nous contes... J'aimerais ça savoir s'il y a un show dans ta carrière qui t'a marqué un peu plus que les autres. Y a-tu un show que t'as préféré de les autres? Je pose tout le temps ça aux artistes comme question parce que, tu sais, on en vit beaucoup à travers les années puis t'as dû en vivre plusieurs mémorables, mais y a-tu un show en particulier que tu t'es dit « je vais toujours me rappeler à cause de... » Ça peut être une petite anecdote ou whatever, tu sais, que... Ben, y a... Il y a deux shows qui sont égales. Il y en a beaucoup qui ont été filmés, mais il y a l'ouverture de Ja Rule au centre, je ne sais pas si ça s'appelait le centre Molson à ce temps-là. OK, puis c'était en quelle année, ça? Peut-être en 2002-2003. OK, fait que c'était encore dans le hype de Ja Rule, là, c'était pas... Ouais, ben oui, c'est quand que Ja Rule, c'était big, là. Ouais, c'est ça. Quand il était big. Fait que ça, c'est comme ce jour-là, quand j'ai fait ça, c'est comme... ça, c'était comme un moment, que quand j'étais sur le stage, je me suis dit, je veux me rappeler de ce moment-là, c'est comme la foule, comment que c'était, puis ça, c'est comme, je me souviens bien le show-là. Puis il y a un autre show que c'est comme totalement l'inverse, que c'est pas en rapport du nombre de monde ou comment que c'était grandiose. C'est l'inverse. C'est-à-dire, mettons, je me souviens plus de la ville, mais j'allais faire un show, puis mon DJ, il fallait qu'il vienne me rejoindre à ce show-là comme à part. C'est-à-dire, moi, je partais de quelque part d'autre, lui partait de quelque part d'autre, puis on se rejoignait là-bas. Okay. Quand je suis arrivé là, mais mon DJ, il n'était pas encore arrivé. Puis c'était une maison des jeunes. Okay. Puis... mon DJ, lui, arrivait, puis il avait comme son stock de speakers, puis ça, ouais. Fait que quand je suis arrivé là, il n'y avait pas de speakers, il n'y avait pas de stock. Fait que moi, j'attendais, puis là, l'organisateur, quelque chose comme ça, il a dit, ouais, mais là, je sais pas que c'était comme genre, dans une demi-heure, on ferme, ou une affaire comme ça. Et je me souviens plus exactement de la raison, mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe live. Oh, ouais. Fait que là, j'ai fait, bon, mais c'est... C'est, on va faire ça comme qu'on va faire ça. Là. Fait que c'est comme j'ai dit aux jeunes, genre, j'ai dit, OK, mais là, je vais vous faire un show, là. Pas de speaker, rien. Fait que c'est silence, tu sais. Fait que c'est un show en silence. J'ai dit comme silence parce que vous êtes beaucoup. Fait que si vous parlez en même temps ou vous gueulez, vous n'allez pas m'entendre. Ouais, c'est fait ça. Que j'ai fait, mettons, un show d'à peu près, je sais pas, peut-être 20 minutes, une demi-heure, toutes mes tunes juste a cappella. OK. Puis les jeunes, ben, ils chantaient avec moi toutes les paroles en même temps. Puis c'est comme... je trouvais ça comme... J'étais comme tabouin, OK, ils connaissent les paroles. Puis tout, puis c'était comme genre pas de beat. Juste comme ça dans le vide. Là. Ouais, ça, c'est pour ça. Pour moi, c'était comme... C'était mémorable. Les jeunes étaient capotés que genre... C'est comme genre que je fasse un show comme ça dans le vide à Capella. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est la seule affaire que je pouvais faire pour sauver la situation. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis il était à la bonne place au bon moment, là, parce que c'est pas le genre d'affaire que tu vis tout le temps non plus. Que tu vis tout le temps non plus de même de vivre des moments avec un artiste que t'aimes. Là, fait que. Non, j'imagine que ça doit être un très beau moment aussi de ton côté, justement, avec les jeunes. Puis de voir que.
que tu sais, c'est le fun de réaliser que tu es compris aussi avec ta musique, que le monde a compris ce que tu essayais de dire, tu sais, aussi, là, puis de voir qui te supporte à travers ça, c'est ça qui est le fun, puis surtout quand c'est des jeunes qui ont passé par des chemins des fois un peu plus difficiles ou des chemins qui vont se ressembler un peu au tien, c'est là qu'ils vont se retrouver à travers ça, puis qui en fait des bonnes Ouais, c'est ça. relations entre Parce que l'artiste ça puis aussi, tu sais, l'auditeur, là. en même temps, pour moi, je me dis, tu sais, c'est comme genre, tu sais, c'est un exemple que je leur donne. C'est comme si c'était des jeunes, là, tu sais, fait que c'est comme, tu sais, j'étais comme, OK, bon, ben, il n'y a pas de speaker, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est comme, fuck that, on fait ça, comme ça. C'est comme, on continue, on avance. C'est comme, que je veux dire, tu sais, c'est comme, j'aurais pu juste faire comme, OK, mais il n'y a pas de stock, il n'y a pas rien, je peux rien faire, tu sais, c'est comme, juste qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'sais, je peux pas créer des speakers, je peux pas créer un micro, je peux rien faire. Ouais, c'est ça. C'est comme, OK, on avance, mais la seule façon possible, c'est que je le fasse dans le vide, même, puis que vous m'écoutez de même. Ouais, c'est ça, Le ben c'est... show. Ils ont peut-être préféré, tu sais, ça a peut-être été le show, il a peut-être été meilleur pour eux autres, comme ça. Ben oui, parce que c'est ça, tu sais, c'est un moment unique que tu vis, puis c'est presque rendu personnel entre toi et lui, là, tu sais, c'est différent, tu sais, c'est pas comme... Puis tu sais, il y a ben du monde qui serait parti aussi puis qui l'aurait même pas fait, là, tu sais, fait que c'est le fun de voir que t'as créé le moment pareil, puis que tu sais, t'as fait ta part aussi pareil, puis gars, aujourd'hui on en parle justement, fait que bon move. Un de mes plus mémorables. Puis à l'inverse, ça serait quoi, mettons, le pire show de ta vie, mettons, le show que ça c'est le pas le plus mal passé, mais que ça a le plus brassé, ou comment qu'on pourrait dire, un show qui t'a marqué Ben. du côté, là, des fois ça peut mal se passer dans le bon sens, là, tu comprends ce que je veux dire? Ben, ça s'est mal passé. Il y a une couple de choses qui sont déjà mal passées, mais pas, je veux dire, pas rien de spécifique que je pourrais dire et que ça serait d'intéressant. Ouais, c'est Ça ça. veut dire que qu'est-ce qui s'est mal passé dans des shows, c'est des choses qui se sont mal passées pour la plupart du monde qui ont déjà fait des shows. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Rien de particulier. Ça veut dire, exemple, qu'est-ce que tu sais qui se sont déjà passés de mal dans des shows pour d'autres mondes? C'est la même affaire pour moi. Ouais, je comprends. Il y a jamais eu un dawa assez revolé à l'envers pour que ça. Non, c'est ça. Non. Il s'est jamais. Non, j'ai jamais eu de quelque chose qui se s'est passé. Puis que ça s'est mal, c'est comme mal passé pour que je suis comme oh shit, non, c'est pas vraiment, c'est comme pour moi les pires affaires qui se sont passées, c'est que mettons que j'aurais pu faire un show puis que le gars, genre le promoteur, il m'a donné à moitié avant puis après le show je le trouve plus. Ok, ouais. Ouais, C'est quoi comme ça mettons c'est arrivé une fois, mais c'est quoi comme ok, c'est arrivé. Comme si c'est arrivé à plein de monde, tu sais, c'est rien ouais. Mais au moins, c'est positif, là, tu sais. Au moins, c'est positif, là. Des fois, on entend des histoires de « Oh, il y a un gars qui s'est fait piquer, puis là, le show a arrêté, fait qu'il a fallu sortir le monde en ambulance. Il a fallu sortir le gars en ambulance, puis... Fait que c'est bon si, quand même... OK. Une affaire comme ça, OK, mais il y a une affaire comme ça qui est déjà arrivé à un show que je suis arrivé en retard de peut-être comme une demi-heure ou comme 1 heure, le monde attendait, fait qu'il est arrivé une bataille en dedans, il y a quelqu'un qui a fini, je pense, dans le coma, qui est à l'hôpital. Enfin. Ah ouais. Mais tu vois, ça pas. Moi, j'arrivais, puis il est parti en ambulance. Aïe, quand C'est comme. même. Moi, mais. Ce que je veux dire, c'est comme, je sais pas plus que ça. C'est comme. Puis là, moi, je suis rentré, puis j'ai fait le show. Ouais, c'est ça, ça te concernait plus ou moins. C'était pas comme si c'était un T-boy, mettons, qui venait de se faire Non. ramasser ou quelque chose, là. Non, non, Mais non, non. tant mieux, je suis presque content que t'aies pas d'histoire négative à me conter. Non, Tant parce que mieux. de toute façon, c'est pas vraiment, c'est pas cette énergie-là que je dégage vraiment. Fait que Ouais, mais je c'est comprends, parce que ta musique est beaucoup positive, mais c'est l'univers hip-hop qui dégage ça un peu des ça que fois, je veux fait qu'on n'est pas dire. Yeah, responsable du des, des on n'est pas responsable des auditeurs, là, tu sais, puis c'est sûr. c'est Non, comme sûr. je te dis, il est arrivé des choses, là. Ah Mais comme ouais. je veux dire, c'est. J'ai pas de bonne, tu sais, comme c'est pas important, c'est.
ça l'a bien fini pour nous autres. Ah, ben tant mieux, ça. C'est positif au moins. C'est ça. Puis, je voulais savoir. Non, c'est ça. Je voulais savoir si tu travaillais sur de quoi, mais on a parlé tantôt aussi. Fait que t'as un projet qui va s'en venir là, sous peu. Yeah, je travaille là-dessus. Je suis en train de travailler là-dessus pour que ça soit. Que ce soit bon, même, que ce soit qu'est-ce que je veux que ça donne, que ça arrive à un certain standard de qualité. Tout ça, fait que je travaille là-dessus. Là. Ouais, puis je pense que ça va. Moi, je pense que ça va être très pesant avec ce que tu nous as fourni à date. En tout cas, ça prouve que tu es bien encore là et que ta plume est encore bien aiguisée. Toi aussi, tu fais un peu des shows ces temps-ci. Justement, je t'ai invité vendredi prochain ici à Québec pour faire un show. Je pense que jeudi aussi, tu fais un show sur un bateau. Est-ce que j'ai vu quelque chose comme ça? Yeah, c'est ça, comme une marina, là. Puis que, tu sais, les bateaux sont comme à l'entour, puis c'est sur l'eau, là. OK, Chris, gros show extérieur, pareil, ça doit être cool. Yeah, ça va être chill. Après ça, une petite virée à Québec le lendemain? Yeah, c'est ça. C'est ça, le lendemain à Québec, à la source de la Martinière. Le monde de Québec, on vous attend là, ça va être un gros show. Ouais, j'ai bien hâte, moi aussi. La plupart de mes classiques, puis une couple de tracks du EP. Yeah! Fait que ça va être chaud, man, ça va être chaud. Puis aussi, il va y avoir beaucoup d'artistes. Comme toi, tu sais tout le tracklist de qui va être là. Mais, ouais, c'est ça. J'en ai parlé un peu tantôt, justement. Là. Puis ouais, gros setup. Puis les artistes aussi, les artistes que j'ai invités ont beaucoup d'artistes invités aussi. Fait qu'il va quand même se ramasser une bonne gang de MC là-bas. Puis je pense que ça va créer une bonne chimie parce que c'est tout un peu... J'ai invité des MC un peu... du même style, mais de des univers différents. Fait que je pense que c'est ça qui va rendre la soirée un peu différente de quand que, tu sais, des fois, ça va souvent être des batchs d'artistes ensemble, des gangs qui se mélangent. Fait que j'ai vraiment essayé d'aller mélanger des gangs différentes. Fait que j'ai bien hâte, puis j'ai bien hâte de voir là, comment ça va se dérouler. Mais gros setup, puis moi, j'ai bien hâte de te voir, justement, je suis bien content que tu emmènes des classiques, puis tout. On va pouvoir chanter ça bien haut et fort avec toi. Yes, ben oui. Donc, oui. Pour l'instant, d'ici ton prochain album, comme on disait au départ, ton EP Grand Cru est disponible sur toutes les plateformes. Donc, allez écouter ça. Gros projet de Yvon, bien travaillé, bien ficelé. Donc, un gros merci d'avoir embarqué avec nous autres pour une petite entrevue, mon Vonvon. On va tomber sur un petit bloc pub, puis après ça, on va faire tirer les billets pour le show de vendredi, justement, le concours qu'on avait fait sur les réseaux sociaux. Donc, je te remercie pour ton passage à Rhapsody. C'est toujours cool de pouvoir parler avec des légendes du hip-hop et pouvoir écrire les pages un peu avec les auditeurs là, de ce fameux livre de hip-hop que plusieurs aiment tant. Oh, mais ça fait plaisir, mon gars. Ça fait plaisir, man. Ça fait plaisir. Ça. Pour moi, je suis juste moi, ça. Du coup, si le monde veut m'entendre parler, moi, ça fait plaisir, man. Ah ouais, puis tu sais qu'il y a un dicton qui dit que ça fait du bien de cultiver la rareté, puis je pense que c'est vrai d'un côté, parce que, tu sais, des fois, quand t'entends tout le temps quelqu'un parler aussi, à un moment donné, tu perds le fil, mais tu sais, tu te désintéresses un peu, mais quand tu as rarement des nouvelles de quelqu'un, on dirait que ça t'intéresse, tu sais... On dirait que des fois, ça fait du bien de cultiver la rareté, puis de revenir, puis de justement étaler des nouvelles affaires, puis parler de des nouvelles affaires aussi à travers ça. Fait que c'est bien cool là, que tu participes encore à des trucs comme ça, puis c'est bien cool que tu aies participé avec nous autres. Donc, on va t'accueillir aussi fortement, mais que tu sors ton prochain album. On va faire la même affaire, on va faire un spécial pour ton projet, fait qu'on va pouvoir le passer en ligne, là, puis en discuter un peu avec toi. Au téléphone, comme ça se fait bien, fait que ça évite les frais de transport. Gars, c'est bon ça. C'est bon ça. Le gaz, il est cher, là. Ouais, c'est ça. Effectivement. C'est fait que, c'est fait bon, que on s'y est au courant, puis nous autres, on se voit vendredi. Puis encore une fois, un gros merci pour ton passage à l'émission. Ouais, de respect à toi, même de continuer à pousser la culture, là. Yes, ben si nous autres, les plus jeunes, on le fait puis qu'on le transmet aux plus jeunes, peut-être qu'eux vont le transmettre aux autres, puis moi c'est ça qui est important. C'est une bonne culture, puis c'est comme on disait tantôt, ça a beaucoup été marginalisé, mais il y a du bon à travers ça.
y a des bons MC, il y a des bonnes paroles. Donc, on va aller écouter ton morceau, ton freestyle E36, justement, pour terminer ça. Fait qu'un gros merci pour ton passage, Yvon, puis on se dit à cette semaine. All right, peace out. Attention à toi, pirate. Cool. Salut, man. Fait qu'on va aller écouter le freestyle E36 de Yvon Crevé qui va être en show à Québec vendredi. Manquez pas ça, les billets sont disponibles au lepointdevente.com ou auprès des artistes.